Allez, salut à tous les amis, c'est Lacunabi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller le chercher le frérot le Cura ou pas? Toi tu vas le chercher, moi je vais le chercher. Une chose est sûre, 2 étoiles et puis après on verra bien si en 4 étoiles il explose quelque part, même s'il est dévoué à être explosif en boss des squads. Moi à l'heure actuelle j'ai pas besoin de tank, tu vois, peut-être pour l'espissa justement qui va augmenter les dégâts reçus de 10% de la cible, mais Grimjo fera la même chose après et moi je vais bientôt obtenir Aizen. Mais c'est quand même l'occasion d'aller le chercher et puis en 4 étoiles peut-être avec les shards universels, je commence à avoir un certain stock. Avant que la vidéo commence et avant qu'on invoque, sache tout simplement que j'ai fait une nuit blanche. Voilà, comme 3/4 des personnes qui vont regarder peut-être cette vidéo, je suis pas sûr, mais moi je l'ai. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Je vais sûrement me perdre dans ce que je vais vous dire. Mais est-ce que c'est grave? Hein? Non, c'est pas grave. Hein. Bon. Allez, on est parti pour ces invocations, on va profiter évidemment aussi du rabais de diamants pour acheter les packs, les fameux packs donnés aux VIP 10 et 11, je suis VIP 11 depuis un certain temps, mais je voulais justement profiter de ça pour me rembourser avec le rabais de diamants. Ici on va récupérer l'arme de Byakuya, même si Byakuya va sortir de mes compositions, en tout cas en boss des squads, même si à l'heure actuelle il peut carry dans les étages 300+, étant donné qu'avec l'effet duel, le fait que ce soit un UR 6 étoiles, et avec son arme, tu découpes quoi, tu fracasses. Même si en vrai, sur le très late, il sera plus joué, je pense. Hein. Mais on verra de toute façon avec les nouvelles sorties. Et puis ici, on a les 8000 gemmes remboursées après en avoir acheté 4000 après avoir acheté le pack. Désolé, il y a un moustique ici, j'essaie de l'enculer. Allez, barre-toi, fille. Ok, c'est bon. J'ai réussi à l'attraper, hein. je suis un génie. Allez, c'est parti, petite vidéo summon. Je crois qu'on a assez discuté. J'espère choper voilà, du SSR en veux-tu en voilà. On va aller regarder juste rapidement les aperçus et regarder le pourcentage. Tac, tac, tac. Donc on a 10% de fragments SSR, 3% d'or, fragments d'autres rôles 58%. Un SSR entier, c'est 2,2%, 5,2% pour les rôles R, des diamants à 5% et puis autres à 7%. D'accord, très bien. Donc on peut tous les avoir ici, Byakuya, Ichigo, on les voit, et puis Unohana, toujours pas dans cette liste, hein. Toujours pas dans cette fameuse liste. D'accord, pardon, c'était les fragments, ici c'est les personnages. En personnage on a à peu près tout, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, j'espère juste pas Matsumoto parce que c'est vraiment la pire. J'en ai très clairement pas besoin, voilà, tout simplement. Allez, on est parti, on va faire 5 ou 6 multi, quelque chose comme ça, mais commençons déjà par la gratuite, et voyons voir si on peut avoir des shards, ce serait assez ouf. Ce sera Rukia, hein. Ce sera Rukia les frérots, on va faire la petite gratuite ici aussi pour attirer la chance, voilà. Allez, Zangetsu 5 shards, moi ça me va. Bon. Est-ce que t'es prêt? Moi je suis prêt. Donne-moi du sale. Du Ryu, je veux bien, hein. Le mien est toujours pas légendaire, hein, équipé sur mon Kampashi. Du Anataro aussi, j'aimerais bien le passer rang au-dessus. Par contre, 3 procs de Jade à 5%, je crois, 5 ou 7%, je me souviens plus, 5% je crois. C'est assez cool, voilà, ça me rembourse un petit peu. Tac tac tac, Ulquiorra, Jushiro, Tessei, allez, les dés suivantes, on veut du sale, on veut du lourd. Donnez-moi du sale! Ok, on est reparti sur un Ryu, on va aller regarder. Bon, comment vous dire que c'est quand même assez cool. Il n'y a pas de SSR évidemment, mais ça reste quand même très très nice. Alors on va aller ici, on va regarder combien de shards il nous manque justement pour EP l'esprit en légendaire évolution. Il va nous en manquer plus que 40 les amis, 37 exactement pour être précis. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'aller rechoper un Uryu ici? Ce serait beau. Je ne demande que ça. Ah lui non. Lui, non, toi non. Même si tu proc avec Yamamoto, oust. Le Jinta qui fait du bien, les Orihime j'en ai vraiment plus besoin, et le Shadow pour son filon. Moi je l'optimise en filon, vous pouvez l'optimiser aussi en esprit d'héritage, pourquoi pas, a priori ça fonctionnerait bien pour stun. Évidemment le stun est beaucoup plus puissant que la Decrease Rage de Anataro, hein. Stun c'est évidemment cancel même les auto-attaques, donc cancel le multiplicateur de combo, donc cancel évidemment la génération de rage, c'est génial. Voilà, Shad c'est génial mais c'est des pourcentages beaucoup moins élevés que Anataro. On a encore 2 shards du Ryu, faudra monter à 120 hein, je crois, c'est ça. Hein. Donc plus que 35 et puis du Anataro qui vient. Ok, ça va, je suis en train de record parce que j'avais peur d'avoir commencé pour rien. Allez, on continue, hein, on se fait plaisir. On commence à dépenser des jades, j'avais quand même pas mal de jetons de côté, hein, t'as pu le remarquer. Ulquiorra, le frérot Con, allez c'est parti pour la parade. Isane, pourquoi pas, bienvenue dans l'équipe. Je te veux pas mais c'est pas grave. Et c'est assez pauvre, hein, c'est assez pauvre.
on a eu Tessé, le pire. Donc je pense vraiment que l'invocation, là, la cinquième, elle te garantit un personnage SSR, parce que ça m'a fait exactement la même chose sur mon compte free-to-play. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous avez eu un SSR aussi au bout de la cinquième multi, tout simplement. Et encore une charte du Ryu. Par contre, le Tessé, j'en ai... Ah, je viens de faire une invocation pour rien. Le Tessé, j'en ai rien à carrer, les gars. Oust. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher 3 étoiles? Sachant que White Ichigo arrive bientôt. On regarde. Moi, ça me dérangerait pas d'aller le chercher 3 étoiles. Comme ça, ça m'éviterait d'utiliser trop de charts universels. Donc, il faudrait que je fasse 6 multi en plus. À peu près. Ouais, c'est ça, 6 multi en plus. Ah, tu sais quoi, on se fait plaisir. Est-ce qu'on se fait plaisir ou pas, frérot? Si... Enfin, 6 multi, c'est beaucoup en vrai. 6 multi. 6 multi, c'est pas gratuit. Bien vu l'artiste. Hop, on l'a enfin débloqué. On va aller regarder les liens plus tard, hein, vous inquiétez pas. On récupère tout ça. Les packs, c'est sûr, les packs VIP, faut que je les achète à un moment donné. Pour arrêter de déconner, hop. J'achète l'arme, la fameuse arme de Byaku. Et ce pack là, Ultra Wars, qui va me rendre des jades et puis des shards de Byakuya, pourquoi pas. Bon, on va aller directement sur Byaku. Le frérot, oui, je fais des diminutifs, tu détestes ça, mais c'est pas grave. Juste ici, et on va l'éveiller une fois, hein. Hop. Zanbonzakudo. C'est bon, c'est parti. Hop. Ok. Et on a 5 liens pour débloquer justement le passif ici. Attaque à 0,9 maintenant du coup. C'est vrai qu'il a pratiquement tout, hein. Yorishi, et c'est bon, quand on est parti, on est vraiment full maxé. On monte à 32 000 d'attaques, donc c'est mignon, et on le testera peut-être par la suite. Pour le moment, il va rester tel quel. On le testera, hein, les frères, on le testera, promis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on invoque ou on invoque pas? Ça, c'est la vraie question, hein. Est-ce qu'on invoque ou on invoque pas? Sachant que White Ichigo est juste derrière, a priori. Je crois qu'on va se calmer, hein. Je crois qu'on va se calmer, les frères. On va prendre la petite Rukia ici. Le Kira, en vrai, je m'en fiche, mais on va quand même le prendre. C'est des thunes, hein, donc ça vaut rien. Par contre, il est beau. Hein. Il a un flow, ça se ressent, quoi. Hop, on débloque cela. Et puis, pour voir, en fait, quel personnage il va lui falloir, tu vas dans Attributs, Info de lien, et celui-ci n'est pas marqué. D'accord. Je crois qu'il faut pas posséder le personnage pour les voir affichés, hein, tout simplement. Je vais regarder l'Event Rabbit de Diamant. On est à 10 000. On fait une multi, on s'en rend pour 600. On refait une multi. 1400 la multi. Il me restera pas grand chose. Hein. Il me restera pas grand chose, mais vraiment, vraiment pas du tout. Sachant que, ouais, je récupère deux shards ici. On le passe 3 étoiles et puis. Vous savez quoi, les gars, on va pas le faire. Je suis désolé, j'arrête le plaisir ici, même si c'était déjà ça de prévu, hein, évidemment. Mais parce que je me dis qu'il y a White Ichigo derrière et mais étant donné que je vais utiliser des shards universels, il m'en faudra 120, mettons, pour White Ichigo. Donc il m'en reste 16. Du coup, il va me manquer quand même 70 à peu près, hein, pour le passer lui aussi 4 étoiles. Est-ce que ça vaudra le coup de le passer lui 4 étoiles, sachant que je vais pas le jouer? A priori, sauf pour le boss des squads, peut-être pour les Spissa. Et sachant qu'il va avoir une autre version de lui-même plus tard en Dragon Azur. On va pas invoquer, les amis. On va pas invoquer. Voilà, c'était une petite vidéo invocation, j'espère qu'elle t'aura plu. On n'a pas réussi à avoir Ichigo, mais au moins on a optimisé un peu plus Byakuya. C'était l'occasion pour moi d'aller chercher ces fameux packs VIP. J'espère n'avoir rien oublié dans cette vidéo. Est-ce que ça te dirait de faire d'abord le truc d'Eizen, juste pour te montrer les shards. comment moi ça marche chez moi, ici. Hop. Alors, est-ce que t'es prêt? Hop! Et de une. Je sens que ça. Bah voilà. Allez, juste pour le délire. Ok, d'accord. Voilà. Donc j'y suis presque, vraiment, les amis, hein, sur Aizen. Il me manque vraiment
plus rien, pratiquement 116, tu vois. Mais je vais quand même attendre de le débloquer en pack VIP 12, donc on attendra le cadeau de recharge quotidien le suivant avec Rookie AV2, hein, si t'as vu la vidéo précédente avec Lisa 4 étoiles free to play gratuit. Tu comprends ce que je dis. On va récupérer la thune, et puis je crois qu'on va se laisser là, voilà, c'était une petite summon session intéressante. On s'y est au courant, bonne chance à tous, voilà pour vos summon sessions. Tenez-moi au courant sur Discord, et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez bien eu le SSR tout simplement à la 5ème multi. Voilà, c'était Lacunabi, prenez soin de vous, vidéo quotidienne, tu es habitué, on se retrouve bientôt, ciao ciao.